Mardi 27 décembre, sur Instagram, Vincent Cerutti a posté une photo de lui qui a beaucoup fait réagir. En légende, l'animateur a révélé avoir perdu 14 kilos sans faire de sport. Dans une autre publication, il a dévoilé le secret de son régime. Animateur sur M Radio, Vincent Cerutti s'est accordé quelques jours de vacances au Sénégal. Mardi 27 décembre, il a donné de ses nouvelles sur sa page Instagram en postant une photo de lui en maillot de bain rouge. En légende de sa publication, il a dévoilé avoir récemment perdu du poids. Hashtag je me la raconte en mode Sénégal. Et cela dit, entre août et décembre, aujourd'hui mardi 27, j'ai gagné mon pari. Passer de 99 kg à 85 kg sans faire du sport. Et si est-ce pas des conneries? Comme quoi, en faisant attention à ce qu'on mange et à la qualité des produits, ça marche. Suis trop content car du coup, même si ce n'était pas la motivation première, je rentre dans tous mes costards d'ancienne vedette. Elle est pas belle la vie, a-t-il écrit. Le gentil tacle de Malika Ménard à sa perte de poids dans le fil des commentaires, de nombreux internautes ont réagi, le complimentant sur son nouveau physique. Absatoussi, sa compagne, a elle aussi donné son avis, non sans balancer un dossier sur les habitudes alimentaires de son chéri. Et les grosses pâtisseries, si est régime, a-t-elle écrit avec un smiley mort de rire. Ce à quoi l'animateur de 40 ans a répondu en parlant de leurs deux enfants, si est jamais moi, si est pour Abby et Isaac. Malika Ménard, ancienne Miss France, a elle aussi taquiné l'ancien animateur de danse avec les stars sur TF1. Je trouve que tu te la racontes, cordialement, peut-on lire. Le secret de son régime sans sport dévoilé au lendemain de sa publication, Vincent Cerutti a posté sur Instagram une vidéo dans laquelle il a expliqué comment il a réussi à perdre 14 kilos sans faire la moindre activité physique. J'ai commencé mon régime le 1er août, et là je l'ai arrêté hier, d'où la photo avec le maillot de bain rouge. Pendant un mois, le soir, j'ai arrêté de manger des pâtes, du riz, des pommes de terre et du sucre blanc. J'ai réussi à perdre 4-5 kilos. Donc déjà, j'étais content. En septembre, j'ai vu un nutritionniste qui m'a dit, si est facile Vincent, tu vas faire le jeûne intermittent. Tu ne vas faire qu'un repas par jour, mais un repas équilibré. Et beaucoup d'eau toute la journée. Vous allez perdre, ça ne vient pas tout de suite, si est-il vraiment au bout de quelques mois que vous allez vous en rendre compte, a-t-il expliqué. Il a tout même tenu à alerter ses abonnés sur ce type d'alimentation. Voyez un médecin quand même, ne faites pas n'importe quoi, leur a-t-il recommandé. À lire aussi le fait d'avoir des enfants, ça a calmé beaucoup de choses, Vincent Cerutti évoque son couple explosif avec Absatoussi.